Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous commençons cette nouvelle série donc de jeux sur un jeu rétro, un très vieux jeu. Un très vieux jeu, oui, vu qu'il est sorti sous Windows 98, il est assez vieux. Il s'agit de César 3, donc un jeu... Donc en fait je fouillais dans mon disque dur à la recherche de fichiers à supprimer pour faire de la place, en vue des prochaines... des prochaines vidéos de l'épopée d'un enchanteur, et en fouillant dans mon disque dur, je suis retombé là-dessus, et je me suis dit, ah la vache, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, allez, je fais un let's play dessus, c'est obligé, et puis ça me replongera un petit peu dans l'univers, donc de César 3. Donc, c'est parti, donc comment ça va se passer cette série? Et ben, vous aurez un épisode par semaine, je pense. Et un épisode durera environ une demi-heure. Donc voilà. Et puis je vais donc faire une carrière, simplement. Hop. Voilà, MDJ de Normandie. Et je me posais au départ la question, c'est est-ce que je fais une mission par épisode ou est-ce que je fais des épisodes à temps fixe à peu près pour... Pour avoir des épisodes vraiment de temps régulier. Puis donc j'en ai parlé avec TB Killer et puis TB Killer m'a conseillé, fais plutôt des épisodes d'une demi-heure et puis tant pis, si une mission s'étale sur 4 épisodes, ça fera mieux que un long épisode de 2 heures. Donc voilà, parce que certaines First. Autre petit souci, c'est que le jeu est vieux, de 98, et donc j'ai dû le re-télécharger, et donc les textes sont en français, mais pas les langues. Donc c'est un petit peu ennuyeux, donc le premier objectif est assez simple, atteindre une population de 150, construire des habitations pour atteindre 150. Voilà. Donc c'est un jeu de gestion. Ah oui, c'est vrai, je peux plus... Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Je me souviens plus vraiment des contrôles, donc... on va libérer un petit peu l'espace. Et donc, on doit juste avoir une construction de... Hop, donc c'est pas un souci, on va faire ça comme ça à l'arrache. Ah ouais, c'est vrai que j'ai le jeu aussi en vitesse de 100%, faut gérer la vitesse. Voilà, donc très vite, on apprend qu'il faut créer des préfectures, sinon il y a le feu partout. Ça va un peu vite. Voilà, donc j'ai déjà pratiquement perdu toute ma cité d'un seul coup. Congratulations. Bon, la première a été assez vite. Clic droit. Ok, ensuite, population de 650 et construire un grenier pour stocker du blé. Ok, donc ici on a une zone fertile. On y partit. On va déjà dégager toute la zone pour aller jusqu'à la zone fertile. C'est-à-dire, hop. Voilà, les contrôles de souris sont un peu agaçants parfois. On va déjà construire une route pour aller jusque là-bas. Et on va aller se bâtir un petit peu de construction là-bas. Donc au niveau de la flotte, ouais, j'ai que des puits. Donc pour le moment, c'est pas trop le souci. Alors, pour aller... Non, ça, ce sont les sons, c'est pas ce qu'il me faut. On va tricher un petit peu sur la vitesse pour pouvoir bien se construire notre cité avant de faire quoi que ce soit. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. Donc, je dégage encore un peu plus pour avoir un petit peu de terrain. On va construire ça. Hop. Avec des petits puits au milieu pour abreuver tout le monde en eau. Ensuite, il nous faut une étude d'ingénieur pour éviter que tout s'effondre
et une préfecture qui va gérer donc la criminalité et qui sert également de pompier. On va également créer un petit temple. Allez, pour Vénus, j'aime bien Vénus. Comment? Juste un truc pour savoir dans le jeu, c'est que dans les difficultés, on peut avoir l'influence des dieux. Bon, pour le moment, je l'ai désactivé. Mais dans ce cas, si on l'a... Oui, je sais, la cité manque de manœuvre. Mais dans ce cas, si la... Comment? Si on met l'influence des dieux, dans ce cas, par exemple, quand Cérès n'est pas satisfait, quand il n'y a pas assez de temples de Cérès, on a des très mauvaises récoltes, des trucs comme ça. Donc ça augmente la difficulté du jeu. Mais voilà, ça peut être très intéressant de jouer avec l'influence des dieux. Voilà, on va remettre une petite étude d'ingénierie et une préfecture. Voilà. Donc je vais produire pas mal, c'est histoire que vraiment d'être tranquille, parce que je suis sûr qu'après ils vont nous demander d'autres choses quand même. Et il nous faut un grenier. Le grenier, on va le faire ici. Et pourquoi pas, pour nos citoyens, on va se créer un petit marché. Je le mets ici, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc combien? 600 populations, ça va commencer à arriver. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Flotte. Normalement après en eau va y avoir tout ce qui est aqueduc et réservoirs qui vont arriver. Ok, et écoutez. Et puis on va remettre la vitesse à 100%. Hop, ça va se construire. Ok, 160. Ok, c'est stable. Et on a l'eau qui arrive. Donc, on va réduire, on va construire un petit peu d'eau. Ça va permettre d'améliorer un petit peu. D'ailleurs, je suis sûr que c'est ça qui fait que... Ah non, il manque des... Ah, est-ce que je les ai ça? Non, je n'ai pas les... Je n'ai pas les décorations, parce que les décorations aussi aident beaucoup à faire évoluer les maisons. Bon, hop, on va déjà... est-ce que... Non, ici je peux pas puiser l'eau, je pense pas. Donc on va aller puiser de l'eau et puis on va donc ramener un petit peu d'eau. Tiens, je vais coller ça derrière, comme ça va pouvoir abreuver tout le monde. Un petit aqueduc. Ça va se remplir après quand je repasse à 100%. C'est pas... Hop, voilà. Et donc ça, on va détruire et on va mettre un puits à la place. Non, un puits, une fontaine à la place. Une fontaine. Une fontaine. Et ils sont contents. On va repasser à 100%. Il faudrait que je puisse mettre un raccourci clavier pour ça. Bon, ça augmente un petit peu, 182. Alors, on va voir un petit peu ce que disent nos... Ah, on peut pas encore avoir accès aux conseillers, d'accord, ok. Les conseillers vont être très très importants plus tard. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que me disent par exemple les habitations? Eux, ils voudraient des plazas. Ok. Eux, qu'est-ce qu'ils voudraient? Bon, c'est pareil. Donc, en gros, il faut attendre que le jeu puisse nous donner les décorations, à savoir donc. Ah, il y a le Sénat! Il y a le Sénat qui peut le faire. On va tenter. On va tenter de faire le Sénat. Je crois que le Sénat, ça compte. J'ai un doute si le Sénat, ça a le niveau d'attrait dont ils ont besoin. Bon, pour le moment, on va essayer de construire une autre chose. Qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Pour le moment,
moment, il n'y a pas trop de secteurs d'activité autre que la ferme. Et là, le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas le... est-ce que la criminalité est zéro? Problème en général. D'accord, le grenier est plein déjà. On va voir pour... comment, pour créer une autre zone résidentielle. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va la créer près de notre... là. Alors l'avantage c'est qu'on peut avoir... oups, on peut avoir plusieurs cartes, notamment la carte de l'eau. Pour voir si on peut... voilà, si on peut construire à un endroit où ce sera abreuvé en eau. Je pense qu'on va remettre un autre réservoir ici. De toute façon, ça, on va le libérer. On va mettre un autre réservoir par là. Hop. Pour le moment, on va pas avoir de métier du bois, donc on va arrêter sur un truc assez... voilà. Hop. Donc je crée que des zones à forte densité, donc ça veut dire qu'on construit comme ça les maisons sur deux lignes. Ça permet d'avoir des gros regroupements en fait de maisons. Même si d'un autre côté, ben ça pose problème au niveau voilà, il y a plus de risques d'incendie, il y a plus de risques, mais ça permet d'avoir des zones beaucoup plus peuplées. Donc systématiquement. Pas les... qu'est-ce qu'on a? On va avoir, on va mettre un petit temple de... qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on va mettre Mars, tiens. Bah, toujours pareil, un petit marché qu'on va mettre là. Entouré d'une route. On va voir ce que ça donne, ce petit secteur-là. Peut-être remettre une étude d'ingénierie à côté, parce que... une préfecture. Voilà. Puis après, ben, y a d'autres choses qui vont se débloquer, notamment tout ce qui est hygiène. Donc on va avoir des thermes, des barbiers, des trucs comme ça. On va avoir beaucoup de trucs à gérer dans notre ville, en fait. Et quand on aura les... voilà, je vous parlais des termes à l'instant. Et on a débloqué les jardins. On a débloqué les jardins, on a débloqué également les théâtres. Et bon, on commence à débloquer pas mal de choses. J'attends que la ville se stabilise. On va déjà construire les jardins. Ce sera déjà fait. Et les forums pour pouvoir taxer nos citoyens, parce qu'il va falloir également gérer les taxes. Hop, 500 habitants. On va arriver au 640 très très vite, je pense. Alors pareil, on reçoit des alertes, hein. Le peuple est en colère, tiens donc. Je dois quitter la cité. Taux de chômage trop élevé. Eh ben d'accord, donc on manque d'activité. Donc, option, test. Donc on va recréer quelques fermes. Et on va également recréer un autre grenier. Parce que le grenier que l'on a est plein à craquer. Donc évidemment... parce que le chômage est dans ces environs-là, donc on va créer un grenier ici. Même si l'attrait, je crois qu'il est négatif. Pas de marché pour s'approvisionner la nourriture, donc le marché ici est trop loin. On va recréer un marché un peu ici. Est-ce
qu'on a les plates? J'ai pas vu si on avait les plates. Non, on n'a pas les plates. Bon. Ah oui, mais attendez, on a l'école de théâtre aussi qui va pouvoir permettre de créer des emplois. Donc on va mettre 2-3 théâtres par-ci par-là. Qu'est-ce que j'ai vu qu'on avait? On a des écoles également maintenant. Voilà, on va pouvoir instruire notre peuple. Enfin, notre cité. Et là déjà, si je repasse en vitesse maximale, je suis sûr qu'il y aura beaucoup moins d'alertes. Ah bah ça y est, on est les conseillers, je suis bête. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Force de travail inutilisée, 0%, donc on est bon, c'est bon, on a réussi à équilibrer le... on a réussi à équilibrer notre cité. Donc, on nous demande, donc, bah, tout ça ce n'est pas requis. Et on nous a demandé, il me semble, 600 de 640 de population. On va pas tarder à les atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il faut à notre bon peuple? D'accord, eux, ils sont pas contents parce qu'ils sont juste à côté de la préfecture. Qui apparemment a un aspect négatif et je pense pas. Et eux, ils sont pas contents parce qu'il n'y a pas assez. Donc, il nous faut absolument les plazas. Et j'ai oublié les forums pour équilibrer les sous de notre cité. Donc, il va falloir bah c'était pas 640 Ah vos objectifs et missions. Ah non c'est 650, food. 650. Et ben plus que 2 personnes, on va les attendre. Je suis sûr qu'on va les atteindre d'ici peu. Ok, ah voilà, ça y est. Il devait être de passage alors parce que ça, le compteur n'est même pas passé. You now have the skills to complete a real assignment. Voilà, alors là on va avoir le choix. Donc à mon avis entre une cité paisible et une cité un peu agitée. Les cités un peu agitées, ce sont des cités où il y a des risques d'agression barbare. On va pas faire de militaire maintenant. On va prendre une province tranquille. Caesar is at today's gladiator tournament and is unable to see you himself. Alors, on nous demande, he has asked me, his proconsul for Roma, to brief you on your next assignment. Now that you have proven your skills, you are to found a small city just south of Rome. L'estime à 60, alors l'estime c'est quelque chose de très important, c'est souvent ce qu'on attend en dernier, je vous le en parlerai plus tard. Le niveau de culture à 35 et le niveau du paix à 20. Le niveau de paix à 20, franchement, c'est pas difficile à atteindre. La prospérité pareil, à 10, c'est pas compliqué. La culture, on va devoir un petit peu s'accrocher et le pire c'est l'estime. Set up industries and trade. Je sais pas si je vais vous lire les... Ah si, il nous explique le commerce. Make sure your citizens pay their taxes. Ça, ça va être intéressant, ça. You should... Alors, cette cité... Alors, le truc, c'est qu'ici, on peut ouvrir des routes de commerce. Donc, faut voir aussi ce qu'ils nous achètent et ce qu'ils nous... Ce qu'ils nous offrent. Donc, je sais plus comment ça marche. Si c'est nous qui vendons du marbre et de la viande, ou si c'est eux qui... Qui nous vendent ça, je sais plus ce que c'est. Je sais plus dans quel sens ça va. On va bien voir. On va ouvrir les deux. Ça nous coûte un petit peu d'argent, mais c'est bon. Ça va permettre d'exporter un petit peu. Et faut pas oublier qu'en fait, César va nous demander des choses. Et donc, il va falloir. Gérer ça. Donc, aucun doc disponible. Donc, on va déjà passer la vitesse à 0%. Enfin, 10%, parce qu'on ne va pas la mettre à 0. Et bah, comme la partie précédente, on va se prendre les zones donc fertiles. Sachant qu'apparemment, donc, on va pouvoir exporter du meuble, donc il va falloir qu'on garde du bois. Donc c'est tout un tas de trucs comme ça à gérer, hein, César 3, c'est pas un jeu qui est extrêmement facile non plus. Sur
surtout quand on se voit, ça fait le ruiner très très rapidement parce que on a fait des 2-3 conneries. Quand César est pas content de nous et qu'il nous envoie notre armée, ça c'est... Parce qu'on dirige notre cité, mais on n'est pas tout à fait libre, on a des comptes à rendre à César. Combien j'en ai fait là? 6. Allez, hop. On va dire que 6 ça va être bon. Ok. Ici on mettra 2-3 trucs pour notre population. Hop. Donc les études d'ingénieur et la préfecture. On va également mettre déjà le marché. Oui. On tour de route parce que on a maintenant les plazas et donc ça va faire évoluer notre marché. D'ailleurs, on va faire tout ça partout. Notre réservoir. Ah oui, attendez, hop. Voilà. Notre réservoir. On va mettre ici, je pense. On va venir ici. Un petit aqueduc. Évidemment, je peux pas faire la liaison. Oula, c'est moche ça. Voilà. C'est un peu mieux. Ce qui va nous permettre de faire deux fontaines. Ici, ici. On est assez près. On va construire notre dock, parce qu'il faut qu'on fasse du commerce. Les docks. On va en construire un là. Ok, toujours pareil, protégé par une petite préfecture et une étude d'ingénierie. Il va nous falloir également des entrepôts pour que ce dock fonctionne. On va en construire 3. Ça sera fait. Ce qui fait que notre population ici va manquer assez rapidement de... Enfin, que notre cité va manquer très rapidement de citoyens. Donc on va rentrer tout de suite une deuxième zone résidentielle. Toujours pareil avec... des petites fontaines. Des jardins. Et des plazas. Tout pour les rendre heureux. Et puis, donc, toujours pareil. Ici, on va leur mettre une petite étude d'ingénierie. Une préfecture. On va leur mettre un petit marché également là-bas. J'ai oublié un truc très rapidement, c'est le grenier. Qu'on va mettre là. Et je disais un marché là-bas. Ok. Attendez, j'enregistre. Hop, voilà, je vais appeler la sauvegarde MDJ. Je reviens, je regarde un truc. Ok, c'est bon. Bon, normalement l'enregistrement s'est relancé, j'espère. Donc c'était pour vérifier que mon logiciel d'enregistrement fonctionne bien parce que je peux pas utiliser Fraps pour tourner cette série. On est déjà à 29. On est déjà à 20 minutes.
La famine freine l'immigration. Bah oui, évidemment, ça n'a pas encore commencé. Attendez, est-ce que... Dans les fermes... Il me demande quoi d'autre? Ah, il me demande des fruits et des olives. Oula, à l'occasion, César, il peut nous demander des fruits et des olives. On va en créer. C'est pas... juste par mesure de sécurité. On crée 5 de chaque. Pour les fermes d'olives. On va produire de l'huile. D'ingénierie et une préfecture. J'espère juste que c'est pas assez, trop loin de nos habitations. Sinon, ben, tant pis, je créerai une petite zone résidentielle ici. Ici, on va continuer à s'occuper de nos villageois avant qu'ils arrivent. Donc, ben, tout simplement, on va se créer une petite école ici. L'école ici, on va se faire une bibliothèque que je trouve super moche ici. Donc voilà, une petite école de théâtre, le théâtre à Ali. On va mettre un peu éloigné de la population parce que je crois que ça n'a pas un attrait extrêmement positif. On va le mettre là. Et les théâtres, on va mettre un là. Oh, j'ai oublié les lieux de culte également. On va mettre une petite Vénus. Ici. Bon, franchement, là, ils ont tout pour être heureux. Voilà, un petit jardin là. Ouais, de toute façon, ça va arriver. Alors, l'ordre des priorités. Le service des eaux, c'est la priorité. Ensuite, tout ce qui est technologie pour que ça... pour pas que tout explose. La production de nourriture va être très très importante dans notre cité. Même la préfecture juste avant, pour pas qu'il y ait trop de risques. Ensuite, on va mettre l'industrie et commerce en 5. Donc ça, ce sont les ordres en fait de priorité. Hygiène et éducation. J'ai rien mis en hygiène. Je suis vraiment un boulet, moi. On va juste mettre de l'hygiène avant. On va mettre des thermes. Donc les thermes doivent être alimentés par de l'eau au même titre que les fontaines. Donc on va en mettre une là. On va en mettre une là. Ouais, donc résultat, elles sont un peu proches l'une de l'autre. Je vais mettre plutôt celle-là là. Et puis, juste... Tout ce que vous voulez que celle là-bas, elle est en dehors de la carte de l'eau. J'ai gagné. Ok, on a déjà 3 messages. Qu'est-ce qu'ils disent? La famine et manque de main-d'œuvre, évidemment, parce que je n'ai pas encore laissé la population arriver. On va se mettre en carte normale, on va voir comment ça évolue. Comment ça évolue tout ça. C'est parti! Ok, 60, 50, 100. On a parlé de 200 habitants. Ça évolue pas très vite. Ça sent citoyen. Mais j'ai pas l'impression que les tentes évoluent très vite. Ah ouais, ça commence. Le culte? Oh, tu déconnes! Ah d'accord, ok. Manque de main-d'œuvre. On en est où? On est en manque de population. Thank you.
et on a eu une grosse épidémie. Bon. Grosse épidémie, dit dispensaire, on va devoir utiliser un petit peu de dispensaire 2-3 par-ci par-là. Et éventuellement un hôpital. Un hôpital normalement est suffisant pour toute la cité. On va le mettre par là. Parce que de toute façon après je voterai certainement une tonne d'habitation par là. On va gérer nos stocks. Les stocks c'est par là. Les fruits, on va... On peut pas dire d'arrêter de stocker. Bon, ok. Les olives, tiens. Hop, on peut exporter les olives. On va l'exporter à partir de 20 unités. Donc ça veut dire qu'on en garde toujours 20 unités dans notre... Dans notre cité, et le reste, on l'exporte. Et... Ok, et en fait, d'accord, on peut importer du marbre. Les meubles, on peut importer comme on peut exporter. On va certainement faire des ateliers de meubles. La poterie, c'est pareil. On va faire tout ça. Tout ça, on va le faire. Parce que c'est toujours intéressant. L'huile, on va, pareil, on va l'exporter à partir de 20. On va très très vite produire de l'huile parce que ça, je suis presque sûr que César va nous en demander. Donc on va créer des ateliers d'huile. On va le créer. Ah, puis j'ai dit que la population manquait de... On manquait de force ouvrière également. Ah bah attendez, hygiène et éducation. C'est ça qui fait que les termes elles fonctionnent pas. C'est ça qui fait qu'on a une grosse épidémie. Donc évidemment... Bon, de toute façon, tout ça, ça va tourner et on va... Il me faut une zone encore boisée. Par là, c'est boisé encore. On va déjà produire notre huile, comme ça, ça sera cool. Je crée les ateliers d'huile ici. Matière première. Non. Atelier d'huile. On va en créer 3, ce sera suffisant. Et on va. Pareil, hop. Et c'est parti, on refait une petite zone résidentielle ici. Qu'est-ce qu'il me dit au niveau de... Au niveau du culte, hein. Bah pas assez de lieux de culte. Ouais mais en fait c'est parce qu'il ne fonctionne pas, tout simplement. On va s'en mettre un petit bonus ici quand même. Petit théâtre. Qu'est-ce qui manque? Bah évidemment de la bouffe, donc il faut un marché. On va être là. De la flotte. On va mettre la carte de l'eau. Bon, ouais. On va mettre là et puis là. Toujours les petites décorations à la con, donc les jardins. Hop. Les plazas. Même dans les champs, rien à faire. Qu'est-ce qui manque? Je suis sûr qu'ils vont nous demander une petite bibliothèque. J'ai pas mis d'école. Bon, pas une école. Et puis évidemment, depuis tout à l'heure j'oublie ça, mais il faut également j'en mettre un peu partout. Des forums. Je vais être en forme ici.
Lieu de culte, oui, mais c'est parce que il ne fonctionne pas tout simplement. Parce que vous avez là, mais ça fonctionne pas, je suis sûr. Ouais, 0 sur 2 employés. Ok, de toute façon par là ça devrait arriver. Il va nous falloir un deuxième grenier parce que le premier est plein et puis ça se retrouve dans nos entrepôts. On peut donner également des ordres à nos entrepôts, ordres spéciaux, le blé on refuse. C'était pour le premier entrepôt. Pour le deuxième, on accepte. Et pour le troisième, même propos, le blé, on refuse. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, c'est toujours un lieu de culte parce que là, ça tourne pas. C'est un lieu de culte qui ne fonctionne pas et qui paralyse un petit peu ma cité. Là, j'en ai trop dans les entrepôts, bon. Mille citoyens. Ah bah ça y est, là ça tourne. Bon. Donc à surveiller maintenant. C'est pas le chômage qui augmente, et c'est le chômage qui augmente. Donc, c'est le chômage qui augmente. Stock pour l'empereur, on a déjà les stocks pour César. Hop, allez, renvoyé, il sera content. La gratitude de l'empereur, merci, allez. Faut que je voie à combien on en est d'ailleurs en estime. Parce que ça c'est pour le niveau d'estime. En fait le niveau d'estime c'est... qui est noté faveur ici, allez savoir pourquoi. C'est en gros l'estime qu'a César pour nous. Et il dit pourtant que notre faveur est en baisse alors qu'on vient de répondre à une demande. Enfin, la paix, elle augmente chaque année tant qu'on n'a pas de problème en ville, donc tant qu'on n'a pas de manifestation, tant qu'on n'a pas des trucs comme ça. La prospérité, c'est en gros la taille de la cité, donc évidemment c'est toujours en hausse pratiquement. Faut vraiment qu'on ait un gros problème pour que ça baisse. Et la culture, et ben ce sont les... Donc là il me dit qu'il n'y a pas assez d'université. Bon, bah, on créera une université prochainement. Là, la priorité, ça va être de créer des... est-ce que je peux en caser? Non. Il va falloir juste que je fasse une petite ligne. Voilà. Ici. Parce que ça doit juste être à proximité d'un petit peu de bois, mais le bois est éternel, donc ici, en fait, on va pouvoir construire... on va construire 5. Voilà, 5 donc là pour récupérer du bois. Et on va créer les ateliers de meubles. Je pense parallèlement à ça, comme ça va être peinard. Atelier de meubles. Cote. Voilà, donc ça va recréer de l'emploi. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était le quota. Il y avait ça, et ici... Non, pas ici. On va plutôt créer ça là. On va faire des puits d'argile ici. On va raser une partie de la forêt ici. De l'argile, matière première, puits d'argile, qui se fait près de l'eau. Et de 5, quelle heure est-ce ? Oula, bah on arrive à la fin de cet épisode. Donc je termine juste de créer mes matières premières, mes...
premiers ateliers de poterie, puisque avec l'argile on fait de la poterie. Où est-ce qu'on va bâtir ça? On va recréer une zone résidentielle ici et faire la poterie ici. D'ailleurs la poterie, je suis sûr que je vais pouvoir la mettre tout de suite ici. Oula, il y a un truc que j'ai négligé. Attendez, ça c'est important. C'est que les puits d'argile par contre c'est très très fragile. D'ailleurs on va recréer une route pour que ce soit plus accessible. Donc on va créer une préfecture et une étude d'ingénierie. Juste pour protéger, donc, enfin c'est surtout des effondrements, pas trop du feu. Mais c'est très très sensible aux effondrements et les puits d'argile. Donc évidemment, on va faire ça comme ça. Et puis ici, hop, on va se créer notre zone résidentielle. Plus petite, on va sur une petite zone résidentielle. La même connerie, hein. Études d'ingénierie, préfecture, un petit dispensaire pour pas qu'il soit malade. On va ramener un petit peu de flotte. Normalement, ça c'est prêt pour pouvoir accueillir les puits. Les fontaines. Je peux en mettre qu'une seule et que ça englobe le tout. Les jardins. Plaza. Leur petit temple à la con. Une bibliothèque, tiens. Non, ils ont dit que j'avais pas assez d'université. On va faire une université ici, tiens. Carrément. Boum. Voilà. Cadeau. Qu'est-ce qui manque? Un marché, évidemment, toujours. Normalement, je peux faire le tour. Ok. Donc, simplement, pourquoi je fais le tour, hein, au cas où vous l'auriez pas remarqué, en fait, c'est parce que quand les marchés sont entourés de plazas, ils évoluent en un truc qui est un peu plus beau et qui a moins d'aspects négatifs, en fait. Parce que les marchés ont un petit aspect négatif qui est vachement diminué lorsqu'elles sont à cet état ici. Donc systématiquement, c'est toujours bon à prendre. Donc là, il manque de poterie. Et bah attends, bouge pas mec, ça arrive. Oui, bien sûr. J'avais dit que je ferais là la poterie. Mais... Non, c'est les ateliers. Atelier la poterie. On va faire ça comme ça. Voilà. Comme ça on peut toujours caser 2-3 conneries ici. Ici d'ailleurs c'est peut-être un peu loin de la préfecture. On va remettre un petit peu. Remettre un petit forum également. Le caser là. Ah, et ben c'est pas mal tout ça. Très bien. Oups. Bon, j'ai fait bugger le jeu. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Pourquoi te... Non, je veux pas quitter l'Empire. Je veux le sauvegarder. Le jeu a bugué. Bon, écoutez, si ça a merdé, ben je... Ah d'accord, c'est parce qu'il y avait un message invisible derrière. Manque de main-d'œuvre. Manque de main d'œuvre. Bah non, je suis à l'équilibre. Donc je disais sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'ai un petit peu plus duré, parce que cet épisode va durer environ 40 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.